Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo tag de Bulle d'Arc-en-Ciel qui s'appelle Montre-moi ton colo et j'ai trouvé ce tag super et Bulle m'a tagué donc du coup je suis contente de le faire en fait, de filmer cette vidéo et là je viens de tout préparer, j'ai mis pour au moins 1h30 pour chercher tous ces colos, il y a 20 colos donc 19 à choisir et après le 20e c'est notre colo préféré dans tous ceux qu'on a sélectionné pour ce tag. Donc j'ai adoré préparer cette vidéo et là j'espère que je vais adorer la filmer. Donc c'est parti. Je vais essayer de rester en plan comme ça. Voilà, vision. Ça va, je suis un petit peu maquillée. Ça va pas être trop moche. Alors, première question. J'ai l'ordi. J'ai pas tout copié parce que sinon ça va mettre une demi-heure de plus. Alors numéro 1, ton coloriage le plus brillant. Stickles, paillettes libres, aquarelle nacrée, tout le bazar. Donc j'en ai sélectionné un dans mon Fairy Miracle de Clara Markova. Et pour moi, enfin, il y en a beaucoup des brillants parce qu'à une époque je mettais beaucoup de paillettes. Mais pour moi c'est celui-là. Parce que comme vous pouvez voir, il y a un effet. Enfin, le fond, j'ai tout fait au Winsor & Newton, l'encre dorée. Et en fait, c'est un miroir le truc. Tu peux me voir dedans. Presque, presque. Donc voilà, donc je me fais en. Je sais même pas dit pourquoi. Je me mets en face cam parce que avec la lumière, là, le rond là. Je sais plus comment on appelle ça. Ça va beaucoup mieux la luminosité parce que dehors il fait quand même assez sombre. Donc comme ça, vous pourrez bien voir. Voilà. Donc pour moi, ça c'est, je pense, un de mes plus brillants. Il y en a d'autres, hein. J'ai hésité avec d'autres. Mais j'ai pas triché. J'allais vous sortir déjà. Non, je vais pas tricher. On va essayer. C'est la première question. On va essayer d'atteindre un petit peu. Deuxième colo, ton coloriage le plus doux. Alors, celui-là, je le garde. Je vais en mettre un autre. Donc, je me suis organisée. J'ai trié les livres. Teinte pastel pour contraster en ambiance douce. Alors, moi, c'est dans mon Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford que j'aime beaucoup ce livre. J'ai sélectionné celui-ci que j'ai fait tout au début de... Bah, il y a à peu près 5 ans, hein. Ça va faire 5 ans que je colorie. J'ai fait ce colo et je le trouve tout doux en fait, avec ses couleurs fond pastel. J'aime beaucoup. J'ai du mal à... J'ai pas de colo vraiment tout pastel, moi j'aime bien quand... Putain, je suis accrochée à mon bureau avec ma chaise. En fait, je me rapproche de plus en plus, dans pas longtemps, je rentre dans le téléphone. Donc voilà ce colo, et oui je disais j'ai pas beaucoup de coloriage tout pastel, tout vraiment doux, moi il y a vraiment, c'est sombre souvent, enfin sombre, il y a beaucoup de contraste, cela les est peu contrasté, donc j'ai trouvé celui-là où le fond vraiment, je trouve que ça, bah, ça rend le colo assez doux. Alors ton coloriage le plus sombre, au début je n'avais pas sélectionné celui-ci. Mais en fait, en feuilletant tous mes livres, au bout d'un moment, au début, je regardais sur mes publications Instagram. Sauf que, en fait, je n'ai pas tout publié sur Instagram. Donc, en fouillant dans mes bouquins, j'en ai trouvé un. J'ai dit, ah non, mais celui-là, en plus d'être sombre, c'est un mais que je déteste. Donc, il n'y avait pas la question. Donc, collage que tu détestes, mais voilà, ça en fait partie. Donc, celui-ci, dans le Botanicum de Maria Troll. Il est sombre, tout est noir, même les fleurs sont noires, le chat, bon, il est gris, mais bon, voilà. J'essaie de faire des rayons lumineux pour essayer d'éclaircir le truc, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, pour un colo sombre. Ah, il s'est mis en veille, le con. C'était quoi? Celui qui a les couleurs plus foncées, ambiance Halloween, glauque, creepy. Alors moi, je trouve que c'est un peu glauque. Hein. Franchement, je trouve que c'est un peu glauque. Voilà, je suis pas très beau à voir, il est même pas ambiant. Faut pas le regarder si on n'a pas le moral. 4. Hein. Ton coloriage avec le plus de couleurs. Donc là, c'est dans mon Little Secret de Clara Markova. Et voilà, les marque-pages, ils sont dans les bouquins. J'y pense même pas à les colorier. J'en ai jamais fait. Marque-page Clara. Tac. Donc, pour moi, celui-ci, je pense que j'y étais niveau couleur. Ah, il y en a un autre, ça, j'ai juste de réaliser. Je vais vous le montrer au pire. Et bim, le marque-page, ben voilà. Celui-ci, niveau couleur, franchement, j'ai mis le paquet, j'ai mis la dose.
Et franchement, j'aime bien le résultat. C'était pour un colo en commun, je me souviens, avec Morgane et Couleur Passion, je crois que c'était Chloé. Il me semble qu'elles avaient lancé un truc. Et il y avait ce colo, enfin ce colo, ouais, cette illustration à faire. Franchement, j'aime bien quand je le vois comme ça. Mais ça m'avait saoulée, je crois que j'étais enceinte quand j'avais fait ce colo là. Un truc, je sais plus si j'étais enceinte, si j'avais accouché ou quoi, mais 2023, bah non, j'avais accouché. Mais bon, bref, j'étais fatiguée quand même en fait. C'est que moi je me souviens par rapport à la fatigue, mais non, j'étais quand même fatiguée. Sinon, l'autre, vachement coloré, très coloré, donc je triche déjà, à laquelle je pense, j'ai pas envie de casser le livre parce qu'en fait, tu veux pas spoiler, il y en a un autre en face. C'est quoi le prochain? Non, ça n'a rien à voir. Il y a l'autre d'en face, c'est celui-ci. Il est trop moche. Mais qu'est-ce qu'il est coloré? Bon, le fond est sombre, donc au final, non, ça n'aurait pas trop fait. Oubliez cette partie. Ton collage avec une ambiance vintage. Celui-là, j'ai même pas hésité, j'ai même pas réfléchi. Celui-ci, c'en est un que j'avais colorié, j'avais mis en couleur il y a très longtemps. C'était là ma première année de colo. Donc, c'est dans le Fantomorphia de Kirby, notre ami Kirby. Hop. Et octobre 2020. Donc, j'avais 8 mois de colo. Je me suis cassé la dent avec le truc. Donc celui-ci, j'adore. J'avais fait le fond au Distress Ink avec les nuances vintage. Bah ouais, c'est ça, c'est vintage. Et les fleurs, les feuilles et tout, c'était tout du polychromos. La roue, alors c'est une espèce de c'est un mécanisme un peu de pendule. Enfin oui, c'est ça, ou horloge. Enfin bref, là il y a l'aiguille. Et ce colo, franchement, je le trouve trop trop beau, toujours, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. La dernière question, c'est ton collage préféré parmi ceux que tu as montré dans ce tag. Ben, franchement, j'ai hésité. J'ai pas mis celui-là, mais j'ai hésité. Je l'aime trop, celui-ci. Voilà. Et ben voilà, au revoir. Non, celui-là. Ensuite, ton collage le plus abouti techniquement. Alors, celui-ci, j'ai cherché un bon moment. Parce que alors moi, je peux pas dire que j'ai un coloriage qui est abouti techniquement. Alors le plus abouti techniquement, on va dire, de tous les trucs qui sont pas aboutis techniquement, j'arrive pas à me dire que j'ai un truc abouti. Enfin moi, pour moi, il y a rien qui aboutit. Mais on va dire mon coloriage, donc je suis à peu près un des collages que je suis le plus fier du coup. Et que je trouve que j'ai géré. Donc c'est dans le monde secret de Kirby Rosen, toujours. Et c'est mes flamants roses. Je trouve que mes flamants, je les avais super bien faits. Voilà, j'avais pris une image de référence. Et je trouve que mes flamants roses, je les avais super bien faits. Il y a des stickers dans l'eau, machin. Je l'avais sorti, je suis là, il n'y a pas longtemps, je crois, pour mon top 10 de mes colos préférés. Et celui-là, vraiment, je l'adore. Et je trouve que, voilà, mes flamants, ils sont réussis. Donc, je les mine dans ma technique, machin, le plus abouti. Voilà, mais sinon j'ai beaucoup de mal pour cette question parce que j'ai du mal à dire que j'ai une technique, ça aboutit. Enfin, pour moi, je colorie et voilà, il y en a qui sont très beaux, il y en a qui sont ratés et voilà, en fait. Ton collage le plus simple. Vous êtes prêts? Petite bête de Rita Berman, un de mes premiers livres de colo. Ça serait bien que j'aille dedans, en vrai. Il est beau ce bouquin. Regardez. Bon, je n'ai pas là pour présenter des livres. Hein. Je devrais faire que ça, moi, présenter des bouquins. Acheter des bouquins, présenter des bouquins, j'aime trop. Là, après, on va partir, je pense, à Cultura. J'espère qu'il y aura le temps. J'aimerais bien m'acheter les dernières sorties. Voilà le plus simple. Bon, voilà. Là, il y a une crotte au milieu de la page. Et en plus, par contre, il est vraiment un peu loupé. Le fond, j'avais essayé de repasser aux grandes couleurs. J'avais fait de l'aquarelle Winsor & Newton, mais à l'époque, l'aquarelle, j'avais du mal. Je connaissais pas trop l'aquarelle et je mettais pas assez d'eau, je diluais pas assez mon aquarelle. Du coup, ça faisait pâté, ça se mélangeait pas. Derrière, ouais, ça me l'a un petit peu abîmé l'autre. J'ai trouvé beau celui-là en plus. Enfin bon, bref. Donc, le colo le plus simple, je dirais celui-là. Hein. Si, j'ai quand même fait un petit effet magique là autour. Hein. J'ai essayé d'améliorer le truc. Mais bon, voilà. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de colos détaillés, moi, avec Clara et compagnie. Compagnie créole là. En collage simple, j'avais pas énormément de choses. J'ai super mal au bras, je porte trop mes gosses. Mon collage le plus mignon. Ouais.
J'étais en train de bugger. Dans mon romantic country, j'en ai fait qu'un. Non, mais j'ai plusieurs romantic country, j'en ai fait qu'un. Mais celui-ci, en fait, je l'adore. J'aime beaucoup. J'avais fait une base à l'aquarelle. Non. Je crois que j'avais commencé avec les... comment ça s'appelle? C'est la première fois que je les ai utilisés. Les Derwent... ceux qui s'aquarellent, là. Bref. Et après, j'avais fini au crayon. Et franchement, j'avais adoré ce colo. Enfin, le résultat, j'ai adoré. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais le résultat, j'ai adoré. Les Derwent, comment? Bon, vous savez, hein. Ceux qui s'aquarellent, là. Donc voilà, pour mon coloris, je le trouve très mignon. J'adore l'ambiance et tout, il est trop beau. Puis j'aime bien ce que j'en ai fait. Ton collage le plus apprécié par tes abonnés? Alors, moi, c'est pas mon préféré. C'est une double page. Enfin, j'en ai fait une double page. Mais c'est pas du tout mon préféré. Mais bon, tout le monde l'aime bien. Il rend peut-être bien en photo, en fait. C'est dans celui-ci, là, de Anna Carlson, le vert. Voilà, c'est cette double page que j'aurais pu mettre dans la page sombre, creepy et compagnie, mais bon. C'était vraiment le coloriage que tout le monde likait, qui a été reposté aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il a été beaucoup liké, il a été reposté. Alors, il est beau, je le trouve très beau cette double page. Je me rappelle, j'étais à fond, limite en 2 jours j'ai fait la double page. Alors d'habitude, je mets une semaine pour faire un colo, même pas. Enfin, même plus. Hein. Des fois, je mets un mois pour faire un colo. Mais j'avais mon idée en tête et j'étais à fond. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le résultat, mais j'ai été très vite, pour moi ça n'a pas été si travaillé que ça, comparé à d'autres où je mets beaucoup de temps, je fais plus de choses. Bon bah écoutez, le rendu est là, hein. Moi, j'aime bien aussi, hein, mais voilà, il y avait du l'encre Winsor & Newton argentée cette fois, le fond c'était du Posca, je regardais si c'était pas du crayon, mais là c'est du Posca, et je crois que c'était avec les Light Fast que j'avais fait le bleu, ce bleu là. J'avais rajouté plein d'étoiles tout autour avec des pochoirs. Voilà pour le plus le préféré en fait par mes abonnés. Le plus apprécié, pardon. Le 10, un collage avec un effet dont tu es fier. C'est Fiery Miracle. Bon, un effet où je suis fière. Il y en a plusieurs où je suis fière, franchement. Il y a plusieurs effets que je suis assez fière de moi quand même. Mais j'aime bien, en refaisant mes colos. J'aime beaucoup ma citrouille. Voilà, j'aime bien ma citrouille. Je la trouve plutôt pas mal. Voilà, un effet, hein. Moi, j'ai pris un élément. Voilà pour ce que... Et donc, c'est celui-ci que j'avais hésité à mettre dans... Je perds des morceaux. J'avais hésité à mettre dans les trucs creepy, là. C'est ce colo Halloween, ambiance creepy Halloween. Et moi, je fais pas de colo gore et tout ça, avec du sang et tout, j'aime pas trop. J'aurais vite peur, je ferais des cauchemars après ma session colo. Alors j'en suis où? Donc tu es fière, voilà. Le plus bleu, où il y a le plus de bleu. Donc j'ai été dans donc celui-ci en fait c'est un PDF. Il y a le tome 1 et le tome 2. Je vous avais montré, je crois qu'à la sortie le tome 3 il n'y a pas longtemps, mais j'ai feuilleté vite fait, j'ai pas trop apprécié. PDF sur Etsy, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elisabeth Rose Best. Elisabeth Rose Best. Voilà, si les personnes ne connaissent pas, vous pouvez aller voir. Alors, c'est super sympa, franchement. Alors, je préfère le tome 2 que le tome 1. C'est des petits dragons. Des petits dragons. Et moi, j'avais adoré. Enfin, j'avais adoré. Oui, j'avais adoré, mais bon. Le colo, il y a le plus de bleu. Donc, moi, j'ai sorti celui-ci. Vraiment, j'avais fait bleu, bleu, bleu. Hein. Donc là, je crois que j'avais repris l'astuce de Zazu pour l'effet glace. J'avais mis du Mod Podge. Là, il y a un peu d'acrylique. Au fond, c'est de l'aquarelle. Mais bon, j'y ai pas trop l'aquarelle à l'époque. Donc, ça fait pas magnifique. Bon, ça va, hein, mais bon. Et j'ai... oui, j'avais fait Spiro. Bah voilà. Un coloriage inspiré d'un film, manga, série, jeu vidéo, le 15. Bon, bah tant pis. J'ai sélectionné autre chose. Sachant que je me suis dit, je me suis jamais inspirée de jeux, de séries, de manga ou de films. Enfin, du coup, j'ai mis autre chose. J'ai fait une autre... En fait, j'ai créé ma catégorie, on va dire, entre guillemets. Et j'avais pas pensé celui-là, j'ai fait Spyro. Ou si vous connaissez le jeu Spyro le dragon. Bon bah tant pis, j'avais pas pensé à celui-là. Et le premier que j'ai fait, ouais, rien à voir, j'ai fait ça. Pour ce livre. Voilà pour ça. Ensuite, il est fini, ouais.
Ton collage est plus détaillé. Ah oui, c'est bon, bug. Alors moi je fais beaucoup de colos détaillés, donc en général tous mes colos sont détaillés. J'aime bien les colos détaillés. Voilà. Mais j'ai quand même sélectionné celui-ci dans Ivy et le papillon d'encre. Il est quand même pas mal détaillé. Franchement, y a du lourd. Celui-là, je l'avais fait. C'était ma première année de colo. J'étais encore enceinte. Enfin bref, c'était ma première année de colo. Ça fait quelques mois que je coloriais. J'avais les Prisma déjà. Je crois que j'avais la boîte de 72. Donc franchement, j'aime beaucoup le résultat. Il est joli. Ah bon, là, faut cacher ça. Non, mais je sais pas ce que j'ai été foutre là. Mais franchement, celui-là, j'aime bien. Je le trouve très joli. Donc, ça, c'est pour détailler 13. Ça va assez vite, finalement. Un coloriage qui a terminé autrement que ce que tu avais imaginé. Donc, j'ai pris mon Home Sweet Home et c'était mon coloriage Winnie que j'avais carrément modifié. Voilà, donc. Oups. Je pensais pas du tout faire ça. Enfin, moi, à la base, il y avait une illustration. Je n'avais pas du tout imaginé modifier l'illustration, enfin, ajouter des éléments. Et c'est vrai que bah, j'en ai parlé dans la vidéo des mes 10 collages préférés. Je l'ai mis dedans. Au final, j'ai rajouté le parquet, le tapis. Ouais, le tapis, hein. Porcelaine, oui, il était. Le papier peint avec le mur, la fenêtre, le rideau, la tringle, le plafond. J'avais rajouté beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aurais pas du tout imaginé, mais c'était à force en parlant avec des copines qui m'avaient dit, ah bah vas-y, tiens, rajoute ça. Je me rappelle, il y avait avec la Nadia qui m'avait dit, ah, rajoute, oh, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, le rideau, le tapis, enfin bon, bref, je sais plus. Et petit à petit, ben voilà. Et j'aime beaucoup ce colo. Ensuite. Je vais faire de pire, sinon ça va se baigner le truc. Quatorze. Ton collage inspiré ou copié d'un autre tuto, combo, etc. Donc moi, c'est un speed coloring dans le Tenderful Enchantment. J'avais copié. Clairement, j'ai copié. Ben, en même temps, j'ai suivi, j'ai appris. Stéphanie. Et allez! Steph Color 63, tout tombe, tout se casse sa figure. J'avais suivi son speed coloring et franchement, j'ai adoré et je l'adore ce colo. J'en suis fan. Mais comme c'est pour moi, c'est copié, du coup, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs et tout ça. Je mets pas vraiment dans mon collage préféré, choses comme ça, parce que pour moi, bah, c'est copié, c'est pas moi. Mais j'adore ce colo, je le trouve vraiment très très beau. Franchement, c'est vraiment je trouve magnifique, hein. Sincèrement. Hein. J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai fait ça. Voilà pour un collage copié avec tuto, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, numéro 15, un collage inspiré d'un film. Donc, ce fameux coloriage que je pensais pas avoir fait. Ben, du coup, j'avais sélectionné le Nelconeco et je me suis inspirée en gros de ma famille, d'une scène de vie, voilà, j'avais imaginé nous avec mes enfants, mon mari, enfin moi je suis pas là, mais bon. Et comme il a un four à pizza, il adore faire des pizzas, en gros j'avais pensé à lui avec mes enfants. Bon, j'en ai un peu moins parce que là il y en a combien? 1, 2, 3, 4, bah vous divisez par deux les gosses. Mais en gros j'avais pensé à ma famille, voilà, quand j'ai fait ce colo. Mais du coup j'aurais pu mettre Spiro, bon tant pis, au final je vous montre ce colo, c'est celui que j'avais sélectionné quand j'ai préparé la vidéo. Hein. Donc voilà, et franchement j'aime trop. Bon alors le petit chartreux là, gris là, on le voit pas trop dans les pavés, mais bon, tant pis. Il est où le quatrième? Ah oui, il y a lui aussi. Enfin, j'avais pas vu, moi je voyais juste les deux minettes là. Les deux mâles là, on les voit pas là. Lui et celui du dessus. Ils ressortent pas bien. Celui-là, j'ai mis du temps. Celui-là, j'aurais pu le mettre dans les colos détaillés aussi. 16, ton collage le plus varié niveau matériel. Ah oui, c'est vrai. Donc dans mon Magical Delight de Clara, j'en ai sélectionné un que j'ai fait il y a longtemps, en avril 2021.
c'est le prix. Bon. Paf. Bon, j'avais fait ce colo. Donc là, on peut. Il y a énormément. Et allez, c'est parti. C'est drôle. Il y a énormément de matériel différent. Alors j'ai donc du crayon de couleur. Là, pour commencer. Là, il y a du glossy accent sur les verres. Il y a du vert en fait. Donc il y a du glossy accent. Le fond, j'avais mis du gelatos et j'ai mis des pastels grasses, des pastels sonneliers à l'huile. Là, il y a du stickles. Là, il y a des espèces de paillettes que j'ai utilisé qu'une seule fois pour ce colo. Ça fait un peu un effet neige, un effet. Là, je voulais faire l'effet sucre en fait sur la tarte. Ça fait joli un rendu. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de matériel différent. Là, il y a du stylo gel. Je crois que on est pas mal. Hein. Bon, il y a du blanc, hein, du Posca blanc. Oh là là, limite il est encore gras le machin. J'avais fait des pâtés, j'arrivais pas à faire l'effet autour de la clé. Du coup, ça fait un gros pâté. Et j'avais hésité avec ce colo. Parce que là, il y avait du. Il y a un peu moins quand même de matériel. Il y a du crayon, il y a du gélatos. Et il y a du. Comment on appelle ça là? On met des paillettes, on fait chauffer. Et. Les poudres à embosser, il y a de l'embossage à chaud, voilà. Mais voilà, il y avait du coup un petit peu moins de matos. Il y avait du stickle. Ça... Ah non, c'est de l'embossage à chaud aussi. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà. Bon, je vois mon vidéo au final. Je triche en couleur. Je. Hop. Je contourne le truc. Ensuite. Ton collage préféré avec une palette de couleurs. Et bah celui-ci, franchement, j'aime bien. J'ai pas énormément de colos, on va dire, avec une palette de couleurs. Vu que c'est très détaillé, mes colos en général, ça part un peu dans tous les sens. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Donc c'est dans le coloriage Wild d'Emmanuel Collin, le tome 1, j'en ai deux, j'ai le 1 et le 2, et j'en ai fait deux dans le 1, ouais, il y a celui-là aussi, mais c'est tout, et celui-ci j'aime beaucoup, j'aime bien ma grenouille qui ressort, j'aime bien mon aquarelle, là je commençais bien à diluer les aquarelles, ça c'est un peu mieux, et puis un petit portrait, un truc que je fais jamais quoi, donc c'est vrai qu'après la peau, le portrait, hein, c'est pas énormément contrasté et tout ça, vu que je suis pas habituée, bon, faudrait que j'en fasse un peu plus pour m'entraîner. Ton collage le plus symbolique. Je vais vous expliquer. Attention. Alors, celui-ci, pourquoi il est symbolique? Attendez, déjà, je vous montre, c'est pas mal. J'ai déchiré mon truc, je t'écoutais. Putain. Bon, bah voilà, le colo est déchiré. Oh là là, je suis dégoûtée. Bah, je vais repasser un peu de noir. J'ai déchiré le colo en haut avec les post-it de chez Action. Dans le Image Morphia de Kirby Rosanne. Donc ce colo déchiré. En gros. Donc j'étais enceinte de ma fille. Les dernières semaines, j'ai dû rester tranquille, alitée. Sinon, elle allait sortir trop tôt. Et du moment où ma sage-femme elle m'a dit c'est bon tu peux te lever maintenant on va bientôt arriver au dernier mois de grossesse tu peux te lever, j'ai fait un colo, je suis restée au moins 4h, 5h à 6, donc j'avais commencé ce colo, je suis partie me coucher, j'ai perdu les os, j'ai accouché et je suis revenue, j'ai terminé ce colo après la maternité, donc voilà. Bon, au final ma fille était un peu prématurée, mais bon, on va pas dire que c'est à cause de ce colo, mais je pense qu'il y a un petit peu pour quelque chose quand même. Bon, du moment où elle m'a dit que je pouvais y aller, 14 colos. Et voilà. Donc, c'est une émotion forte, un événement marquant. Voilà, c'est vrai que je m'en souviens. Un coloriage favori réalisé en duo. Et ben, j'ai sorti mon premier duo. Mon premier duo réalisé avec Stéphanie, donc Steph Color 63. On venait de se rencontrer d'ailleurs, je crois, et puis on s'était fait un duo pas longtemps après, parce qu'on est voisines, donc on se rencontre des fois, au bricomarché. Voilà, du coup, c'était mon premier duo, et ça m'a marqué. Enfin voilà, c'est mon premier duo, ça je peux le dire. Et dedans, ouais, y a des stickers, y a plein de trucs. Franchement, je la trouve trop belle, petite carte, c'était pour ma fille, j'ai fait un petit mot pour ma fille.
Voilà. Trop jolie cette petite carte. C'est vrai que j'oublie des fois, j'ai fait une petite carte comme ça. J'en ai fait qu'une, hein, je peux l'oublier. Mais j'ai alors 2-3 PDF que j'ai fait et c'est vrai que je les oublie au fond des classeurs. Et j'ai plein de classeurs avec des PDF, des trucs comme ça et genre je les sors jamais. Pour moi, ça compte pas pour des livres, mais j'ai beaucoup de PDF. Et à la fin, ton collage préféré parmi ceux montrés dans ce tag. Et ben, mon collage préféré. Ben, aïe, j'ai mal au doigt. Oui, pour moi, c'est celui-ci. Non, pas toi. Désolée, c'est toi. Voilà, pour moi, c'est celui-ci. Je sais pas, j'adore le fond. Des fois, du stressing le fond. J'aime tout en fait. J'aime tout dans ce colo, même si au début, je me suis dit, ouais, c'est mal parti. Et en fait, j'adore le résultat. Voilà. Donc, eh ben, j'ai terminé de répondre à ce tag. 1 heure et demie de préparation pour 20 minutes de vidéo. Je vais taguer des personnes. Alors, qui n'a pas été tagué? J'ai tagué Debocolo. Mélissa, tu l'as fait? Ah, mais il y a Zazou qui l'a fait il n'y a pas longtemps. J'ai vu sa vidéo hier. Et je crois qu'elle a tagué Mélissa. Donc, Debocolo. Mame créative, ah, t'as été taguée par Bulle. Et ben, je sais pas. Toutes les personnes qui ne sont pas taguées, Sarah Coloring peut-être. Ah ouais, ça serait bien, Sarah, montre-nous tes colos là. Clio, Zazou, tu l'as fait. Les Américaines, on va pas les taguer. La Cour de Lille, tu l'as pas fait, la Cour de Lille, non. J'ai regardé ton dernier colo, ta dernière vidéo là, mais tu l'avais, c'était pas ça. Je parle comme si c'était en face de moi. Rose Cocon, Lame Niana, Stéphanie, j'ai envie de la taguer, Steph Color 63, mais je sais qu'elle a pas trop le temps. Elle a à fond dans ses nuanciers, dans ses agendas. Et écoute, j'ai envie de taguer plein de monde, mais je suis en train de faire tout mon listing. Mais il y a du monde. Ben écoutez, tout le monde le fait et puis comme ça tout le monde sera content, tout le monde verra les colos de tout le monde. Et il y a beaucoup de monde aussi qui a arrêté ses chaînes, il y a des nouvelles, ben oui, hein, ça part, ça vient. Bon, et ben voilà, Dragonheart aussi, je sais pas si t'étais tagué. Bon, je tague un peu tout le monde, hein. Je vais rajouter des arrobases hein, à la fin de la vidéo, enfin sur la petite description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à la faire aussi, même si vous n'êtes pas tagué tout ça, n'hésitez pas à la faire. C'est que bah, des fois on ne pense pas forcément, même moi. Hein. Bulle m'a tagué, mais sinon souvent je suis pas taguée. Enfin, c'est pas pour ça que enfin, j'en fais rarement des tags du coup. Mais s'il y a un tag qui me plaît, même si je suis pas taguée, je le fais. Enfin, je demande à la personne si je peux faire ton tag. Ah oui, vas-y, allez hop. Donc c'est cool. Et puis n'hésitez pas vous à me dire quel est votre colo préféré dans tout ce que je vous ai montré. Bah, je vous en ai montré normalement 19. N'hésitez pas à choisir le colo préféré si vous êtes d'accord avec moi pour les flamants roses ou pas. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!